Et salut tout le monde, c'est Sneakit et c'est ma première vidéo pour la SDA JCE TV. Alors spécial dédicace à Ryzen, je vais jouer un deck nain, mais c'est un deck nain qui creuse. Le principe, c'est de faire tourner le deck pour bénéficier d'effets surprise et de mettre en jeu le plus rapidement possible une énorme armée de nains. Je vais donc jouer avec Dain qui booste les nains tant qu'il est dégagé, Bifur qui les ressources aux autres héros une fois par tour, et Nori qui dit que chaque fois qu'un nain arrive en jeu de ma main, je vais pouvoir baisser ma menace de 1. Je joue contre le scénario Landouin, c'est un des premiers scénarios qui est sorti il y a déjà pas mal d'années, mais c'est toujours un scénario agréable avec assez de défis pour s'amuser un petit peu et tester des nouveaux decks. Le scénario me demande de révéler une première carte pour démarrer. Tous les lieux sont boostés et les joueurs qui ont 35 de menace défaussent une carte. Ce n'est pas mon cas. Ça commence bien. Je passe immédiatement à l'étape B. Je dois aller dans le deck de rencontre chercher un troll des collines. Où est-il? En voilà un. Alors, le troll des collines, il n'est pas très sympathique, il tape comme un veau, il a de l'armure, de la vie, bref, tout ce qu'il faut pour vous embêter. La bonne nouvelle, c'est qu'il a 32 menaces, donc pour le moment, je ne suis pas en danger de mort, et je ne pourrai passer à l'étape suivante que si j'arrive à tuer le ou les trolls qui sont en jeu. Alors, j'ai déjà fait un mulligan, cette main me convient parfaitement, j'ai vraiment plein de choses à faire avec, donc je vais commencer, nouveau tour. Je commence tout de suite en dépensant une ressource pour jouer l'héritage de Durin sur Dain. L'héritage de Durin me dit que chaque fois qu'un nain arrive en jeu de ma main, je pioche une carte. Donc combo bien entendu avec Nori, je vais pouvoir piocher et baisser ma menace chaque fois que je joue un nain. Je vais utiliser aussi le pouvoir de Bifur pour voler la ressource ici. Et je vais utiliser immédiatement pour jouer un archiviste d'Erebor. Comme il est arrivé en jeu, je descends ma menace, je pioche une carte. Ah, Glowin, très bon ça. Voilà, c'est déjà pas mal pour un premier tour. Je vais économiser ici pour jouer Roi sous la montagne. Je vais engager enquête. J'envoie 8. Alors, pourquoi 8? Bah parce que comme j'ai dit précédemment, Dain, tant qu'il est dégagé, donne plus en volonté à tous les nains. Pas seulement les miens, si jamais on jouait à 8, tous les nains auraient le boost, c'est pratique. Donc je démarre avec 8 de volonté, c'est largement suffisant. Pour l'instant, il y a 1 dans la ZC. Je révèle une carte. Ouh, chaque joueur augmente sa menace de 1 pour chaque personnage qu'il contrôle qui n'est pas engagé dans la quête. Ouah, ça ne me gêne pas pour le moment, je gagne juste 1 de menace à cause de dingue. C'est un faible coût à payer. Donc 8 contre 1, je gagne de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On est bon. Allez, nouveau tour. Ah, l'attrait de la Moria. C'est cher, mais c'est bien. Alors, je vais immédiatement commencer en jouant pour 2 ressources, Roi sous la montagne sur Dain. Quand j'engage le roi sous la montagne, je peux défausser les deux cartes du dessus de mon. Enfin, je regarde les deux cartes du dessus de mon deck, j'en défausse une et j'en pioche l'autre. Eh bien, comme la pioche, c'est la vie, je vais directement commencer par ça. Je n'hésite pas une seconde, je prends une très bonne histoire, d'autant que j'ai déjà l'attrait de la Moria en main. Maintenant, le tout va être d'avoir du nain. Est-ce que je peux avoir du nain? C'est la question. Et ben non, pas pour le moment malheureusement. Je vais donc juste économiser. On va être prudent. On est pas mal, on n'est pas pressé. Au prochain tour, on va pouvoir commencer les hostilités. Alors, la quête, j'ai pas besoin de mettre beaucoup plus, que comme je l'ai dit, je ne peux pas passer tant qu'il y a le troll. Je vais juste quêter à 6. Alors. 6 contre 3. Hop, je l'avais pas mis. Je passe, sans souci, je gagne 3. Mais j'ai un warg. Le warg, ça m'embête un petit peu.
parce que c'est une saloperie. Chaque fois qu'il attaque, s'il n'a pas un effet d'ombre, il retourne en ZC. En plus, 20 menaces, je suis à 28, il m'engage. Phase de combat, un petit effet d'ombre. Alors, bah, j'ai pas le choix, je vais défendre sur d'un. Avec 3 d'armure, ça devrait quand même bien se passer. Pas d'effet d'ombre, c'est pas grave. Je ne pouvais de toute façon pas taper le Warc, mais le Warc remonte et sa menace risque de m'embêter au bout d'un temps. Voilà, bah, je n'ai rien d'autre à faire. Nouveau tour. Ah ah! Ben voilà, et ben là on est bien. Pour deux ressources, je joue un marchand des montagnes bleues. Comme j'ai un nain qui est arrivé en jeu, je vais diminuer ma menace, piocher une carte. Maintenant, je possède 5 nains. Et ça ne change rien à la vie, puisque je n'ai plus de ressources bleues. Je suis un génie. Est-ce que je veux vraiment jouer lui maintenant? Ça peut être intéressant, ça peut être rigolo. Allez, je vais prendre un risque, je vais dépenser 3 ressources neutres, là je fais ce que je veux avec lui. Je joue un mineur, c'est un peu cher, mais ça me permet de faire une très bonne histoire. Alors j'engage 2 alliés, hop, hop, je défausse les 5 cartes du dessus de mon deck, et je pourrais jouer jusqu'à 2 alliés pour un coup converti de 5, puisque j'ai engagé 5. 2, 3, 4, 5. Parfait! Bonne sortie. Donc je choisis l'ami Beaufur et un archiviste d'Erebor. Le reste est défaussé. Sauf que avant, comme le mineur de l'Eretluin est défaussé, à la place, il vient en jeu gratuitement. Et ben voilà, 3 nains pour le prix de 2. C'est comme ça que ça marche. C'est plutôt rigolo. Bon. Continuons à quêter. Le War Chris de m'embêter. Je vais peut-être garder de quoi pouvoir le taper un petit peu derrière. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne saurais de toute façon pas le tuer avec ça. Non, bah on va continuer à quêter pour le moment tranquillement. Je quête à 6. Je quête à 9. Là, je devrais vraiment pas avoir de soucis. Traîtrise, un dégât. Tous les personnages contrôlés par les joueurs qui ont 35 de menace ou plus, ce n'est toujours pas mon cas. Vous noterez aussi que les nains que j'ai joués tout à l'heure ne m'ont pas fait ni piocher ni baisser ma menace, parce que je ne les ai pas joués de ma main, sinon ce serait trop beau. Je gagne largement, hein, j'ai fait 9, il y avait 3, donc je gagne de 6. Le Warg, phase d'engagement, il me tombe dessus. Il gagne une ombre. Je vais toujours défendre sur d'un. Il n'y a pas de raison. Hop, hop, hop. Voilà. Toujours pas d'effet d'ombre. Et en plus, celle-là, ça m'arrange. Je ne l'aime pas. Donc le Warg remonte en ZC. Hein, ça peut durer longtemps. C'est dans ces cas-là qu'on aime bien parfois, au début, avoir un petit Gandalf qui vient et qui one-shoot. C'est toujours plaisant. Nouveau tour. Bon, toujours pas ce que je veux, c'est pas bien. Donc je vais dépenser une ressource bleue pour jouer Dwalin de ma main. J'ai le droit, puisque comme je contrôle au moins 5 nains, Dwalin ne me coûte plus qu'une ressource. Comme j'ai joué un nain de ma main, je vais pouvoir baisser ma menace et piocher une carte. Ensuite, je vais faire de la pioche. Roi sous la montagne, j'engage 2 cartes. Je vais récupérer le mineur des monts du fer. Je vais défausser ceci. Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Que j'ai vraiment besoin de jouer un nain en plus maintenant? Non. Je vais rester tranquille. Alors, pour tuer le Warg, il faudrait que je lui mette 4. 1, 2, 3. Il ne tape pas. Lui il tape, ça. Éventuellement ici, là j'ai 4 d'attaque. Donc au cas où je vais essayer de les garder, je vais envoyer 6. Allez, 8. Je préfère la sécurité, j'envoie 8. Donc 8 contre 5, je gagne de 3. Hein, je suis encore compté.
Alors, que nous dit ce joyeux lieu? Tant qu'il est actif, je ne pioche pas, ça ne m'arrange absolument pas. Donc je vais le laisser là où il est. Phase d'engagement, le Warc me retombe dessus. Une petite carte ombre. Voilà. Bah pareil, je vais défendre sur Dain. Et en plus, il a un effet d'ombre. Chouette, il va rester. Bon, mauvaise nouvelle, il me tape dessus, tape à 4. Comme Dain défend à 3. Je perds un point de vie. En échange, maintenant, le Warg est toujours là. 1 d'armure, 3 PV, il faut que je tape à 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Bah, le compte est bon. Hop, on va les engager. Et donc, le Warg s'est fait défoncer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est un nouveau tour. Alors, il va falloir que je joue du nain quand même pour descendre un petit peu ma menace. Bah je vais commencer toujours par un petit roi sous la montagne. Deux cartes. Ah, Philly. Philly, je l'aime bien. Et ben, je vais aller chercher Philly. Maintenant, le tout, c'est de ne pas piocher Killy, sinon j'aurais l'air bien con. Je vais gentiment dépenser une ressource pour rejoindre le troisième archiviste d'Erebor, ce qui me permet de baisser ma menace, il était temps, et de piocher une carte. Le lieu m'embête un peu, et j'ai justement de quoi le gérer. J'ai la carte de Tror qui me permet de changer la location en cours de voyage. Ouais. Ce que je veux la mettre maintenant, ça me... c'est pas ça qui m'embête en fait. Ce qui m'embête, c'est de ne pas pouvoir piocher la carte, c'est pas de voyager. Non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Je vais attendre au prochain tour. Ouais, c'est pas mal. On va pas être gourmand. On est bien. Il y a 3. Donc je vais toujours quitter à 6, à 8. 8 contre 3. Bam! De l'orque. 8 contre 5. Bon, je ne mets même pas les marqueurs, là je suis largement bon. Quand l'orque est révélé, il inflige 2 dommages à un caractère qui est engagé dans la quête. Bon, on va les mettre sur Nori. Il n'y a pas. Mauvais bouton. Voilà. Il m'attaque directement. Carte ombre. Alors, il attaque à 2, c'est pas gênant. Je vais défendre sur Dain. Pas d'effet d'ombre, c'est parfait. Il a 3 points de vie. Et ben, 1, 2, 3. Voilà, les 3 sur l'orque. On en parle. Zut. Voilà, ça évite des soucis. On n'en parle plus. L'orque est mort. Fin du tour. Bon, on va recommencer avec... non. J'ai peur de piocher Killy, donc je ne vais pas prendre de risque. Je vais dépenser 3 ressources immédiatement et je vais jouer Philly. Quand je joue Philly de ma main, je peux aller dans mon deck, chercher après Killy et le jouer gratuitement. Est-ce que j'ai bien fait? Non, il ne serait pas arrivé tout de suite. Le voilà. Deux nains pour le prix d'un. C'est plutôt pratique, d'autant que Killy a exactement le même pouvoir. Je ne sais plus si j'ai mélangé. Tant de doute, shuffle. Comme j'ai quand même joué Killy, Philly de ma main, je vais pouvoir baisser ma menace et piocher une carte. Ensuite, ben je vais faire un petit roi sous la montagne pour piocher plus. La pioche, c'est la vie. Et je vais prendre la ceinture de Narvi. Parce qu'il serait temps que j'aie quand même de quoi pouvoir taper un peu. Je vais même jouer une cache secrète en dépensant un bleu.
Et donc pour une et donc je peux piocher une carte tout simplement. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je voulais. L'avantage de la carte secrète, c'est que pareil, si elle est défaussée du dessus de mon deck, je vais pouvoir mettre deux ressources sur un héros que je veux. C'est un peu aléatoire, mais c'est tellement fort quand ça proc bien. Surtout quand on en a deux fois avec une très bonne histoire. C'est vraiment le bonheur total. Bon, est-ce qu'on pourrait tuer le troll pour le moment? Ça va être tendu. L'idée pour tuer le troll, c'est que j'aimerais bien pouvoir jouer lui. Parce que lui, il tape très 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 fort, mais c'est du rouge et je n'ai pas encore la sphère tactique pour le moment. Je vais me contenter de rester comme ça. Bon, allez, on va quand même faire tourner un petit peu. Je vais jouer lui maintenant. J'ai pas besoin de son effet, mais ça fait toujours plus de nains et plus de nains, c'est le bien. Je descends ma menace, je pioche une carte. Ah, joie, Noël, le combo est sorti. Nous ne sommes pas paresseux. J'engage X nains. Et je gagne X ressources sur un de mes héros et je pioche une carte. Que demande le peuple? Là, vous avez le combo complet avec l'attrait de la Moria qui, pour 3 ressources, me permet de dégager tous mes nains. Donc, simplement, mettons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nains disponibles. Donc, admettons, j'engage tout le monde. Et je joue, nous ne sommes pas paresseux. Je dois donc piocher une carte et gagner 14 ressources. Je choisis de les mettre sur d'un. Hop. Voilà, première étape c'est fait. Deuxième étape, je vais dépenser 3 ressources de d'un. Et je vais jouer l'attrait de la Moria qui me permet de dégager tout le monde. J'ai donc gagné 10 ressources en ne faisant rien. Pratique. 11. Alors, bah là, ça y est, on va se faire plaisir. Je vais dépenser 2 ressources de dain pour jouer la ceinture de Narvi, qui va me permettre, quand je l'engage, de donner à dain la sphère que je veux. Je vais le faire immédiatement. Je vais choisir la sphère tactique. Donc, pour 3 ressources, je vais pouvoir jouer un maître des batailles d'Erebor. Alors il a plus 1 en attaque pour chaque autre allié nain que je contrôle. Donc pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il tape déjà à 12, 13 grâce au pouvoir de dain. Autrement dit, le troll ne me fait absolument plus peur. Mais 1, c'est pas assez. Non, je vais trop vite. Procédons par ordre. Comme j'ai joué un nain de ma main, je baisse ma menace, je pioche une carte. Je vais donc, pour 3 ressources, continuer et je vais jouer un deuxième maître des batailles d'Erebor. Je baisse ma menace, je pioche une carte. Alors, je ne suis pas obligé d'attendre la ceinture de Narvi pour le jouer, je peux très bien aussi le jouer avec une très bonne histoire. D'ailleurs, on va en profiter, on fait une très bonne histoire, j'engage pour 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai qu'un allié, pas de chance. Je vais quand même le prendre, parce que j'aurais tort de me priver. Tout le reste est défaussé. On va les mettre par là. Plus de place, c'est mieux. L'avantage, c'est que quand lui arrive en jeu, il défausse 3 cartes. Ensuite, je peux choisir une carte de ma pile de défausse et la remettre en dessous de mon deck. C'est encore mieux, c'est même pas en dessous, je la mélange dans le deck. Donc je défausse 3 cartes. Pas d'effets spéciaux. Et je vais dans ma défausse. Alors, qu'est-ce qui me fait envie là-dedans? Est-ce qu'il y a un nain sympa que j'ai perdu? Non, je vais remonter une cache secrète. C'est toujours intéressant. Si j'arrive à la défausser, hop. Donc je mélange. Voilà, on est pas mal. Est-ce qu'on peut encore faire des trucs rigolos? Il me reste 3 ressources, une ressource bleue. Oh ouais, allez. Pour 3 ressources mauves, je vais jouer
ce bon vieux Gloin. Comme je contrôle 5 nains, quand Gloin arrive en jeu, je choisis un héros qui gagne 2 ressources. Bah, comme j'ai beaucoup de verres en main, je vais les donner à Bifur. Voilà, ça c'est fait aussi. Comme il est arrivé de ma main, même chose, je descends ma menace et je pioche une carte. Zut. Bon, toi t'as pas de chance. Est-ce que je le joue tout de suite? Non, je vais attendre, je préférerais jouer Dory. Alors, bah on peut y aller, on va se faire plaisir. Il y a 3 menaces, je vais quêter tranquillement. Bah toujours 6, est-ce que j'assure un petit peu plus? Je vais mettre 9, je suis très très tranquille. Voilà, je révèle une carte. Les corbeaux, sale bête. Quand les corbeaux arrivent, ils ont renfort, je révèle une carte de plus, un petit gobelin. Donc 2, 3, 4, 5, 6, je suis large encore une fois. 24 de menace, donc j'ai le gobelin qui vient à la phase de combat. Et je vais engager intentionnellement le troll. Alors, le troll, comme il tape beaucoup trop fort et que ses dégâts sont transformés en menaces, je vais essayer de minimiser ça, je vais sacrifier ce pauvre doualin. Hop, pas d'effet d'ombre. Donc le troll tape à 6, doualin 2 d'armure, 3 de points de vie. Donc il est mort et j'augmente de 1 ma menace. Le gobelin, lui il est pas gênant, il tape 4-2, j'ai eux qui vont taper comme des veaux. Bah écoute, je vais pas prendre de risque, je vais l'envoyer sur Dain défend à 3. La défense du personnage ne compte pas. Oh, j'ai failli prendre cher moi. Donc Dain perd 2 PV. Je flippe un petit peu, parce que 3 dégâts ça fait beaucoup, d'autant que j'ai pas de soigneur dans le deck. J'ai voulu rester totalement RP, je n'ai mis que des joyeux nains. Bon, c'est le moment par contre de se venger. Alors, donc comme j'ai dit, la plus en attaque pour chaque copain. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 copains. Plus son 1 de base, ça veut dire qu'il tape à 14. Bah 14 c'est plein, 9 et 3 ça fait souvent 12, donc hop, voilà, j'ai désingué le troll, et lui ne reviendra jamais, il va en pile de victoire, et le deuxième va se faire plaisir et va hacher menu un petit gobelin. Alors ne trichons pas, on est fair play, le gobelin en attaquant enlevait un marqueur de progression de la quête, voilà. Sauf que je suis largement trop haut, donc je passe à l'étape suivante, pas d'effet en A, je suis directement à l'étape B, je révèle un ennemi supplémentaire à la phase de quête, je ne fais pas d'engagement, je peux toujours engager intentionnellement. Voilà, bon, ça s'est plutôt bien passé, nouveau tour. Encore une cache, décidément, je n'ai pas de chance là-dessus. Bon, comme je l'avais dit, je le fais. Je dépense 3 ressources vertes et je joue Dory. Dory est très pratique. Quand un héros subit des dégâts, je peux l'engager pour qu'il subisse les dégâts à la place du héros. Ça va me permettre de respirer un petit peu plus sereinement avec Dain. Pareil, c'est un nain, il arrive en jeu. Je baisse ma menace, je pioche une carte. Pas mal non plus, ça. Qu'est-ce que je peux encore faire de beau? Bah, je vais faire un roi sous la montagne. J'aurais peut-être dû le faire avant. Parfait. Enfin, ça fonctionne. Donc, je défausse une carte, j'en pioche une. Je vais piocher celle-ci. Et je vais défausser la cache. Comme je défausse la cache, un de mes héros gagne 2 ressources. Bah, j'ai justement un invert à jouer. Donc, je vais donner 2 ressources à Bifur. Je vais continuer en jouant pour 2 bleus. Un marchand des montagnes bleues, je descends ma menace, je pioche une carte, je vais jouer pour 2 ressources, un prospecteur, donc je descends ma menace, je pioche une carte.
J'ai encore le combo en main. Est-ce que je le fais maintenant? Bon, oui, je serai tranquille. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nains. Je vais donc jouer Nous ne sommes pas paresseux pour piocher une carte et gagner 20 ressources. Oh, j'ai plus de cartes. C'est ça. J'avais bien que j'avais oublié quelque chose. Je vais recommencer gentiment. Comme je jouais le prospecteur de l'Eret Nimrès, je peux aussi remonter une carte dans mon deck. Je vais donc remonter. Voilà, Volonté de l'Ouest. Et maintenant, je peux faire Nous ne sommes pas paresseux. J'engage 20 nains. Je joue la Moria. Je récupère tous mes nains up, donc ça m'a coûté 3 ressources. Je gagne donc seulement 17 ressources au total en la faisant vite et je pioche une carte. Voilà, 18. Comme je ne peux plus piocher, ben je vais. Dans quel sens est-ce que je joue ça? Je vais faire la ceinture. Je vais dire que d'un est bleu, parce que j'ai plus de ressources bleues, j'aimerais bien en avoir. Bon, c'est pas que pour les alliés. Donc je dépense une ressource, je joue Volonté de l'Ouest, je mélange ma défausse dans mon deck. Oui, je le veux. Alors, cette carte-là, normalement, elle est censée être retirée de la partie. Je vais la mettre en victoire. Je ne sais pas comment on fait pour retirer une carte de la partie. Je vais immédiatement jouer une cache. Je paye 1. Et je pioche une carte. Je le refais. Je paye 1. Et je pioche une carte. Comme je suis bleu, je vais quand même le faire aussi. Je paye 1 et je vais jouer une pipe sur Nori. Alors la pipe, là j'en ai pas eu l'utilité, mais ça me permet quand je défausse une carte que j'ai pas envie de défausser, de la remettre directement en dessous de mon deck. Ça peut être intéressant aussi. Est-ce que j'en veux plus? Non. Bah, je vais toujours en profiter pour 3 ressources neutres. Je vais remettre encore un mineur. Comme c'est toujours un nain, je baisse ma menace. Je pioche une carte. Vous voyez, là j'ai encore le combo, limite combo infini. Je pense que sauf vraiment coup de malchance, je ne peux plus perdre. Alors, bon, faut qu'il était à 16. On va mettre un maximum. Donc 3. 3. Bah 6. 9. 12. 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Est-ce qu'on abuse encore un petit peu? J'aurais pas plein d'ennemis. 24. Non, 24, ça devrait le faire. Je vois pas pourquoi je me ferais avoir là-dessus. Allez, 24. 24, toujours contre 3. Ah, voilà, ça c'est ce que je craignais. C'est pour ça que je ne mets pas les archivistes depuis le début. Je mets un dégât sur tous les personnages engagés. Dommage qu'il n'y a pas de réponse sur ça. Ça m'aurait vraiment bien servi pour le coup. Alors, ben on va s'amuser un petit peu. Un dommage, un dommage, un dommage, un dommage. Un dommage, un dommage, un dommage. Voilà, ils ont tous 2 PV, donc là il n'y a pas de souci. Juste lui, ça m'embête très fort, donc je vais plutôt. Nina, signalement de dommage. Je vais engager Dori pour qu'il prenne le dommage que Nori aurait dû subir. Après tout, ils sont cousins. Faut bien qu'ils partagent tout. Encore une petite carte. Bam! Oh! Alors ça c'est vraiment le coup absolu de pas de bol. Parce que là, c'est un énorme carnage. Eux sont morts. Eux sont morts. Lui est. Non. Ah oui, 3 points de vie, lui, quand même. Lui aussi.
E2 sont morts. J'ai quand même bien fait de prendre le dégât. Parce que si je ne l'avais pas fait, je perdais Nori. Donc Nori reprend 1, Bifur reprend 1. Lui, comme il est engagé, parce que c'est pas engagé dans la quête, c'est juste engagé tout court. Donc il prend 1, il prend 1 et il prend 1. Eh ben, ça m'est déjà arrivé une fois. Première fois que mon pote joue un deck Hobbit. On part en quête. Les deux sortent. Ces trois héros sont morts. Voilà, c'était une partie épique. Bon, alors avec ça, il me reste 3, 6, 9, 12 enquêtes. Hop, hop. 12 contre 3. La bonne nouvelle, c'est que, yeah, je passe quand même. Mais je ne mets que 9. Bon, pas grave, on va s'en sortir. Alors, le corbeau, je peux taunter. Je vais le faire. Je vais prendre le corbeau, comme ça il sera déjà avec moi. Et je vais pas prendre de risque. Hop, une carte ombre. Je vais défendre sur. Ah si, sur un mineur. C'est jamais. Je vois pas ce qu'il pourrait tuer d'un, mais on ne sait jamais. Hop, il a plus un en attaque. Donc il tape à 2. Ça fait un petit dégât dans le mineur. Mais ce sera tout. Alors lui, je ne vais surtout pas le tuer. Parce que si je le tue, il va revenir dans le deck directement. Et comme il a renfort, ça va m'énerver très fort. Donc je préfère le laisser là. Je le tuerai au moment où ça m'arrangera. Et nouveau tour. Ouais, une cache. Donc, on commence roi sous la montagne. Je défausse 2. J'en récupère 1. Je défausse l'autre. Notez que j'aurais pu le garder en dessous du deck, mais bon, j'en ai pas besoin. J'ai quand même 2 nains verts. Est-ce que je vais aller sur du vert un petit peu? Faudrait que je pioche. Faudrait que je pioche. Je vais dépenser un bleu déjà pour faire ça et piocher une carte. Bon, toujours le même combo. Oh, je vais juste le jouer gratuitement sans rien, juste pour piocher une carte. J'ai plus besoin de ressources. Bah, allez, je recommence. Hop, je pioche une carte. C'est pas non plus ce qu'il me faut. Je vais engager la ceinture, dire que d'un est vert. Je dépense 2. Je joue un prospecteur. Je peux donc défausser 3 cartes. Hop. Ouais, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je vais pouvoir en remonter une dans le deck. Je vais garder celle-là pour la remonter. Hop. Et je mélange. Évidemment, je vais remélanger ma défausse pour récupérer tous les pauvres nains qui viennent de mourir à cause d'un pas de bol monumental. Et en plus, j'ai joué un nain. Comme d'habitude, je descends et je pioche. C'est plus s'il reste des nains là-dedans. Mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire maintenant. Je vais attendre de remélanger au pro si j'y arrive. Par contre, je vais dépenser 2. Je vais jouer lui. Descendre ma menace. Et piocher une carte. Évidemment. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Non, j'ai vraiment pas envie. C'est dangereux. Je vais en rester là. Je vais en rester là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il y a 2 ici en menace. Il me manque 7 marqueurs. Bon, j'ai déjà eu 2 fois la traîtrise. J'ai un peu peur. Il n'y a pas de raison que je l'aille 6 fois non plus. Faut pas déconner. Je vais mettre 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Je vais mettre 14. On va bien voir. À moins d'avoir 2 grosses cartes. Bon. Je vais quand même pas avoir 2 fois pas de chance. Les berges de Landoin. Ça, c'est un lieu qu'il est bien. Parce que chaque fois que je l'explore, il revient sur le dessus du deck. Ça me permet de connaître le prochain renforcement ou un effet d'ombre. Et le chef Urtak. Chaque fois qu'il attaque, il gagne une ressource. Pour chaque ressource, plus 2 en attaque. Ça ne me gêne pas. Donc 2, 3, 4, 5. 14 contre 5, je gagne de 9. Je passe donc à 18.
18 contre 16, je passe. Pas d'effet en A. Face B. Révélez deux cartes par joueur. Ajoutez-les à la zone de cheminement. Passez l'étape de quête. Peut se faire jusqu'à la fin de la partie. Et pour gagner, il faut que je tue tout le monde. Classique. Donc, je révèle une. Je dois voyager là. Et deux. Donc, je dois voyager là-dessus. Ça ne m'embête pas. J'en ai pas vraiment besoin. Alors, eux ne viennent pas d'eux-mêmes. Je vais en taunter un. Qui est-ce que je prends? Ça ne change rien. De toute façon, j'ai de quoi faire. Je vais les tanker à coups de péons sacrifiables. Allez, je vais prendre le serpent. Donc, combat. Carte ombre. Ici, le corbeau. Ben, je vais. Hop, voilà. Je vais mettre le corbeau sur un de mes mineurs. Enlever un marqueur de progression de la quête. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de souci. Le corbeau tape à 1. Je défends à 1. Ça, c'est fait. Ensuite, le serpent. Le serpent, il tape à 4. Eh ben, on va l'envoyer sur l'autre mineur. Hop. Enlever un marqueur de la quête. Je n'en ai toujours pas. Il n'y a pas de souci. Par contre, là, ce coup-ci, le mineur trépasse. Hop, hop. Alors, taper. Il faut que je mette 8 dans le serpent pour le tuer. Alors, j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 copains. Donc, chacun de mes maîtres de bataille tape à 13, 14 grâce au pouvoir de dingue. Donc, je mets 14 dans le serpent ici. Et pour la blague, 14 dans le corbeau ici. Voilà. Donc, lui, il part en pile de victoire. Le reste, c'est fini. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Je commence un nouveau tour. Bon. Il n'y a pas d'étape de. Je saute la quête. Donc, bah, je ne fais rien. Je passe directement en phase de combat. Le lieu, je m'en fous un peu. Ça ne m'embête pas. Donc, je prends le chef Urtac. Parce que j'ai donc carte ombre, parce que j'ai aucun respect, voilà, je défends encore avec un pauvre mineur qui va être sacrifié. Eh ben je fais bien, parce que le chef Urtac tape quand même à 4, mine de rien. Hop, le mineur est détruit. Voilà, donc je tape un peu moins fort, je ne tape plus que à 12, mais comme j'en ai 2, je mets 26 dans le chef Urtac qui décède pour cause de mort. Il n'y a plus d'ennemis en vie, j'ai gagné la partie. Voilà. Allez, pour la blague, un petit score pour ceux qui aiment. Ah, j'ai quand même mis 8 tours, hein. J'ai démarré un peu lentement. Mais j'aime mieux prendre mon temps avec un troll. Voilà, un score de 99 ou 99, c'est plutôt sympathique. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils, des avis à me donner, je suis preneur. Si vous avez aimé... Vous mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner à la chaîne. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!